Salut tout le monde! Ah, salut Nico! Non, Nico n'est pas avec nous. Ah, si, Salut! si, il est sur Ah le oui, Twitter. alors, pour ceux qui nous regardent via la chaîne, grande innovation aujourd'hui, on fait en plus un live Twitter Parce qu'on n'a pas pu le faire sur parce qu'on peut YouTube. pas sur YouTube qui veut pas de nous. Parce qu'on n'a pas assez de followers. Ouais, followez-nous, hein. On n'a pas assez d'abonnés à la chaîne apparemment. Donc, salut Juju! Salut Ziba. Salut Bob! Bonsoir. Le couteau de Bob. Voilà. Donc, on est en live sur Twitter. Hein. Ça, Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. bonsoir madame. Bon, allez. Madame Zilba. Voilà. Qui veut commencer On va commencer par des bons trucs, des trucs Ah. sympas, et on finira par les trucs un Voilà. peu moins cool là. À mon avis, on va finir par ce qu'il y a de mieux en fait. Ah, tu Je viens de viens de casser une carlasse. Bon, donc on est d'accord, ça c'est le colis Bob. Hein. Et toi, Julie, t'as un colis au fait ou pas? Non, moi j'ai rien. Moi. Non, t'as rien. Il y a un colis sur la peau, lui. J'ai un colis sur la peau. Bon, les gars, c'est bien. Ah, attends. Oh! Faut Fais voir voir. les dates. Fais voir, fais voir. Complètement stylé. Ah ouais. Plutôt, en parlant d'Orizat, l'autre jour, j'ai revu la vidéo d'Orizat sur YouTube Super. où j'ai envoyé en fait par courrier Non, tu vas le coin, hein. des papiers journaux Tiens, japonais et il était Tiens, trop à fond. Genre, ils se filmaient et tout, c'était génial. Voilà. Pas mal. Nous sommes un peu au Japon grâce au colis Bob. Voilà. Merci. Bon, Merci donc je te pose Bob. pas la question, ça vient du Japon. Ça s'en bat les couilles. Bon. En fait, clairement, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Mais bah, ça, vraiment, ça, mais ça, vraiment. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a c'est dedans. toujours le mieux, Bah, pas c'est grand quand chose, parce qu'il est assez petit quand même le colis. C'est Salut vrai. Erkin. Ah, il y a Erkin qui est là. Oh, Erkin Cardas. Salut Erkin. Bah, non, mais c'est bien, ça te fait J'ouvre une comment? nouvelle surprise. Ouais, je suis doublement surpris. Ah, il y a Jack qui est là aussi. Oh, ah oui, d'accord. Ah, tu t'en souviens? C'est bon? Je crois me souvenir, effectivement. Bon, Bob retrace ce qu'il a acheté. Ah. Salut Erkin. Erkin nous dit salut. Salut. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a quoi? Salut Alors, FPNU. je savais même plus que j'avais acheté ça. C'est beau. Est-ce que tu les as vraiment achetés ou est-ce qu'on te les a offerts peut-être en gift? Non, Special ça je gift. les ai achetés. Salut Fred. Qu'est-ce Oh là là, oh là là. Mais c'est quoi ouais, ça? C'est un miroir. C'est un miroir. Mirror Cars. Super Saiyan God, Super Saiyan. Et Ultra Instinct, c'est des sortes de petites affiches. Je crois que j'ai dû payer ça 200, 300 yens l'affiche. Sans compter les frais. Voilà. Il y a ça. J'espère, ça, c'est bien, j'espère ça. pas plus. Hein. Regarde. Je m'en souviens maintenant. C'est quoi ça? C'est quoi? En fait, c'est le full des cartes postales des films qui était sorti il y a quelques années. Ah, c'est pas un années. Truc que t'avais commandé, t'en avais eu qu'une, t'en avais eu Non, deux. ça c'était les clear files, ça. Ah, les clear files, ah oui. En fait, t'as 17 petites affiches plus une, ça c'est la 18ème, et du coup, à chaque fois t'as. Je te dis stop quand c'est mon film préféré. Stop, c'est mon film préféré celui-là. C'est vrai? Ouais. L'aventure mystique. Tu vois, donc chaque. D'accord. Chaque carte postale, hein, parce que carte postale, tu vois, avec le numéro dessus. Numéro 6. Attends, je crois qu'on voit pas là. Si, on voit. Vas-y, appuie, voilà, nickel. Numéro 6. Donc, tu vois, chaque carte postale correspond à un film. Le contour noir est assez moche, hein, mais. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Et ça, je crois que c'était les vraies affiches de chaque film. Pour répondre à Will, oui, c'est chez Zilba. Donc, tu peux voir la télé préférée Zilba. Et les figurines préférées Zilba. On va pas mettre Madame Zilba, mais Madame Zilba est là aussi. C'est une. C'est un format, c'est pas vraiment du carton, c'est à moitié du plastique. Là, ça fait plastifié. Et là, on sent qu'on peut écrire dessus, mais ça reste. Ouais, ça reste souple. Alors là, ça, c'est quoi? Ça, c'est le full. Morinaga. C'est le full Wafer Unlimited Part 3. Voilà. Regarde. Et alors là, tu en avais zéro ou tu en avais déjà un? Zéro. Madame Zilba, Will te dit bonjour. Bonjour. Elle répond bien poliment. Elle est en train de fouiller ton compte Twitter. Et ton compte Instagram. Il n'y a pas grand-chose à fouiller. Hein. Ça brille. Donc voilà, c'est des... Mais elle connaît pas Erkin, c'est pas qui c'est. Spécial Broly, là. Ah, tout le monde connaît Erkin. Je crois pas. Et ça, c'est le Scratch. PP card, scratch PP card. Non, c'est des scratchs, c'est les cartes que tu avais
dans je sais plus quoi, dans des petits paquets comme ça. Tu vois, donc le mec, il m'a, c'est bien, il m'a donné un sachet à chaque T'as fois. trois exemplaires du booster, ouais. Ça, c'est part, je sais plus combien, part Et 4, je pourquoi on crois. appelle ça Scratch? Il y a des trucs à Tu peux gratter? gratter C'est les nœuds de les balles forcing. derrière? Non, je sais plus dans quoi c'était en fait. Y en a 9. T'es sûr que ça s'appelle Scratch? Ouais, C'est Scratch. leur vrai nom officiel. Et alors Parce qu'il y a un justement, truc qui s'appelle Scratch et qui en ne fait, doit pas être gratté, c'est un peu bizarre. essaye de gratter les boules. Non, je suis affirmatif, c'est pas une matière. Salut, carte dames. Et en fait, voilà. Regardons, celle-ci est prisme. Oui, il y en a une prisme en fait. Et les autres, non. Voilà, les autres non. Celle-là est pas mal. J'aime bien. C'est une des scènes cultes sur Namek. Une carte Everything DBZ. Ça, je sais même pas ce que c'est. Et qui m'a envoyé ça là-dedans. C'est un cadre Ça pour me va pas mal. carte. Et en fait, voilà, alors. Du coup, j'ai acheté deux fois les Salut! mêmes. J'ai acheté deux fois les mêmes. Alors, attends, vas-y, parce que j'étais encore sur les autres. Fais-nous Alors, voir, parce que là je je te vais montre, reprendre voilà. depuis le début. Donc ça c'est aussi des scratchs. Mais ça c'est Et elle sans se gratte, scratch. elle se Mais ça gratte ou c'est des pas? ça c'est spécial Broly. Ah, Ok. quel Donc bruit tu de vois, mufle! il y en a 7, Ah non, pas, il n'y en a qu'une qui 3, brille. il y en a une qui brille, tu vois. Et en fait, j'ai demandé à Yen T'as encore des sur boosters? Twitter, voilà, j'ai encore des boosters. J'ai demandé à Yen sur Twitter de me donner un lien des scratchs. Et moi, si tu veux, Ouais. j'ai pas fait attention parce que je savais pas combien il y en avait. Et en fait, il m'a envoyé un lien où il n'y en avait que 5 dedans. Ah merde. Et en fait, du coup, il Ah. en manquait 2. Donc, moi, comme un con, j'ai acheté, j'ai pas vérifié. Ah, Et en mais fait, ça, du même coup, c'est à cause de rien, on j'ai est acheté un d'accord. non-full. Donc, du coup, Un full. j'ai racheté un full qui est là. Voilà. Donc, j'aurai quelques cartes à échanger ou à vendre pour ceux qui sont intéressés. Ok. Voilà. Donc, Donc, ça, c'est y a rien qui va te rembourser la facture. Yaya, je te le défonce. Je te dis rien, je te défonce. Est-ce que DBZ Collection est en ligne là? Non, malheureusement, non. Dommage. Ça aurait été beau ça. Donc voilà, voilà pour moi. Oh, bah, superbe. Les wafers. Les Wafer Unlimited. Et tiens, R15, j'en profite pour contrer ma réception. Voilà. Ah, attends, celui-là, tu l'avais pas montré. Il y a quand même Gogeta SSJ Blue avec sur le côté Ma Goku. réception d'il y a 8 Ah, jours, 10 apparemment, Bob jours. veut le récupérer très vite. À toi. Ouais, Allez, à toi, je te Zilba. passe le. De caméra. Allez, on commence par celui-ci. Il vient pas du Japon. Ah merde, bon, On on change. rage-quitte. Attends, je vais mettre comme ça plutôt. Ah, Hop mais. là, pour que le son soit là. Ouais, mais du coup, va falloir Ouais, parce que moi, couper. depuis tout à l'heure, je suis dans l'autre Va sens. falloir. Hop là! Tadam! Non, ça, c'est hors sujet, je sais pas ce que c'est. Et pourquoi t'as C'est commandé quoi? ça? Mais c'est quoi? Non, non, c'est juste une boîte, hein. On dit c'est ce qu'il y a dedans. Ah, ok, d'accord, tu nous as fait peur, putain. J'ai ça y est, là, acheté du Yu-Gi-Oh! Et. Ça c'est vide, mais c'est une boîte. Ça, c'est pas vide. Mais pourquoi? Donc, ça vient pas de Japon, ça vient d'Allemagne. Mais bon, ça, Ah oui, d'accord, c'est pour ça que c'est un peu c'est chelou, quoi. random. Et pourquoi? Ben, ça, je sais Des pas. J'ai. pièces pour la MG. C'est quoi la MG? Qui La c'est? moto? C'est la voiture. Voiture. Ça, c'est R1 qui Mercedes? R1, ça. Non, pas du tout. BMW? Non, MG, c'est la marque. Et AMG, c'est quoi? Ça, c'est Mercedes. Ah, voilà. C'est la version sport des Mercos. Benz, Benz, Benz. Tu connais bien, hein? Ah oui, Tu fais souvent le chemin. surtout chez Mercedes. Talent. Alors, comment ça marche? Mais qu'est-ce que Regardez-moi t'as ça. été acheté? Mais c'est quoi ça? Ça, on s'en fiche. C'est du Zelda. C'est des trading cards. Oui, c'est des formats Mais trading, c'est quoi? c'est C'est américain? américain. Ça vient de. C'est quelle année? Oula. 2016. Tiens, montre-moi en une. Tiens, montre-moi la première. Je crois que là, t'es parti dans le côté obscur des cartes. Hein. Pas du tout. J'ai l'impression de me retrouver moi quand je collectionnais les italiennes, quoi. Donc en fait, l'idée c'est que tu as un certain Ah, des nombre, je cartes sais pas, X-Files, dit R1. Z Files, Z comme Z-Files. Zilba. Zilba Et donc, Files. tu as quelques cartes sur les différents jeux. Donc là, c'était Ah, salut Ocarina of Fly Time. 78-0. Du coup, On va passer sur Majora's Mask à un moment. Donc là, c'est des elles captures sont sur le d'écran. site du Z Collection, je suppose. Ben non, parce que j'ai pas le full. Là, c'est le full reg. Mais après, il y a des holos, des trucs assez. Qui sont bien touchettes. C'est ta Donc. nouvelle mission. Ouais, non, ça, je pense pas. C'est juste pour. Mathilde, qu'est-ce que t'en penses? Je ne pense que c'est Regarde, bien. Voilà, tu vois? celles de Majora sont C'est ouais, plutôt c'est des cool. cartes d'outre-Rhin, effectivement. Elles viennent d'Outre-Rhin, mais elles sont américaines. Bon, bref. Acheté sur auction.yahoo.de. Ça, c'est Twilight Des Allemands qui vendent de Princess. l'américain, c'est un peu bizarre quand même, hein? Oh, bah, pourquoi pas. Hein. Ok.
Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. C'est un petit côté carte d'os. Ouais, ça va faire un bon paquet. Ah, deux, ouais, c'est à l'ancienne. Mais c'est un full rack du coup. Et toutes les holos, et puis il y a des spéciales qui font un puzzle, machin. Bon, ça je les ai pas et j'ai regardé, c'est vraiment très touchette. Donc ce sera Touchette ultime. sûrement pas le cas. Touchette pour un terme que RK1 aime Est-ce que beaucoup. tu peux. Attends, regarde, parce qu'au fond, regarde, juste on montre au fond. Donc ça vient du Est-ce que Japon. tu peux montrer au fond les box en fait que Jules nous a ramené aussi? Ah oui. Là, tu veux quoi? Elles sont là. Regardez. Voilà. Donc ça vient tout droit Bourgogne. de Bourgogne, en effet. Coincé entre des cartons de vin. Certains, vous aurez reconnu de quelle box il s'agit, et je n'en dis pas plus. Oula, comment ça a été mis tout ça? Bah, ça a été mis à l'arrache. C'est rare qu'ils fassent ça. C'est ton intermédiaire? Bah ouais, j'ai Bah, l'impression. Nippon. Oh là là, on n'achetait pas chez eux. Si, si, d'habitude c'est très bien, mais là j'avoue c'est bien. Bon, c'est bien protégé, hein, je pense que ça craint rien. Allez, donc ça vient du Japon. Alors, on commence par le début, hein, parce qu'on ne me laisse pas le choix. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Bah, c'est des trucs de 10-4, 5-4. C'est cool. Ouais, c'est ça. C'est ça, Mais t'as pas le full déjà de ça? ça vient d'une Non, box. j'ai pas le full. Ça vient d'une box. D'une box 100 yens. Salut, Techley. C'est du Final Fantasy 8. Ok. Part 2. Bon, juste pour info, je suis à 20%, donc voilà. Ok. Oui, vas-y, En train bah, de dire dépêche-toi que. un peu. Mais non, j'avais pas le full. Donc là, normalement, ça va être chose faite. Faut y aller prisme, mec. Ouais. Il y a encore des Jumbo Mario. Donc ça, c'est bien fait, c'est magnifique. C'est Jumbo Sticker, ça Alors, encore? ça, c'est du nouveau. C'est un truc que j'avais presque. Donc, ça, c'est pas celles qui sont sorties en France. J'avais jamais vu, non. C'est du Jumbo Mario Kart. Et c'est Sticker, effectivement, je savais pas. Ah, c'est du Mario Kart. Comme les GT, t'as Mario vu? Kart 64, ouais. Et comme les Super Mario World. Non, Super Mario 64. Yes. Ouais, comme Mario 64, c'est ça, c'est Sticker. Donc, du coup, je exactement sais pas, mais j'imagine qu'en enlevant le sticker, derrière, il y ouais, a t'as une un autre image. autre Donc, dessin. Il te faut deux foules, en fait. Exactement. Comme moi j'ai fait avec les FR. Comme j'ai fait avec les Mario 64 Jap, quoi. Tu vois bien, là? Parfait. Voilà, une petite série de 8 Jumbo Mario Je Kart. vois du Hello Kitty là du coup. Non, pas du tout, c'est tu sais, c'est encore un Ah, autre les mêmes truc. mais en Tamagotchi. Salut Techley. Avec le petit mot du vendeur Merci Ziba pour l'achat. Qui sur Twitter peut me traduire ça? Sale gaijin. Je pense que quand ils envoient, ils savent pas où ça va aller. Ah, Oh, je pense qu'ils doivent savoir. ah, Ludo Camarlet est arrivé. Donc ça, c'est ma série fétiche. Donc ça, c'est bien toujours des Jumbo stickers hein, qu'il faut retirer pour obtenir la Jumbo qui est en dessous. Donc Tamagotchi. Putain, mais ça n'a sachant que aucun intérêt, celle-ci, ça. je les ai. Non, mais ça coûte 600 yens le full, Non, mais je veux dire, les petits stickers En fait, là, on a plus de frais d'intermédiaire Ouais. que de frais Oui, de je crois. carte, quoi. Ah, elle est cool, celle-là. Je crois. Elle est pas mal, celle-là. Et donc, Tu celle-là, l'encadres? je les avais déjà. Oh, et celle-là. Et Ah, tu vas pouvoir la décoller. Voilà. Dans ton salon, celle-là, Mathilde, franchement, dans ton salon. Tu valides ou pas? Non. Franchement, ça valide. Et du coup, c'est quoi? C'est du 98? Ouais, je pense. Ou 97, peut-être. 96, 97. Voilà, il Pas savait pas comme les Non, françaises. Hein. 97. Ouais. Exactement comme les françaises. Ok. Donc ça me fait Donkey Kong. du Jumbo. Ah, mais comment tu sais? Bah, je vois à travers. Arrête de spoiler. Bon, si la vidéo s'arrête, au moins je saurai ce qu'il y a dans le colis. Stylé les stickers façon écran pixel. R15. Coriace, celui-là. Ah, celle-là, je crois que je les ai. Ah, ça, j'ai pas ça. Ah Oh, mais c'est bah, normal. non, je me trompe. Celle-ci, les Tamagotchi que j'ai déjà, ça, c'est les parts 2. C'est cool, les timbres. Et celle que je vous ai fait voir avant, c'était les parts 1. Bon, je les ai déjà fait voir dans une autre vidéo, donc vous la Bon, je m'en reprendrez. rappelle plus, je peux ressortir. Alors, si on a encore la vidéo à la fin, Bob qui me fait, vas-y, on s'en fout. Est-ce que vous vous souvenez des Donkey Kong? Oh, on s'en souvient très très bien. Ouais, bah, moi, celle-là, j'ai le full, donc j'en suis assez fier. Tu l'as le full de Ouais, ça? je crois. Bah, elles sont vraiment cool. Incroyable. Bah comme je suis pas fan de Donkey Kong, je suis un peu OSEF quoi, mais. Ah, pourtant t'as toutes les françaises. Non, j'ai pas la Ah, part t'as 2 pas full. toutes, ouais, c'est vrai. Putain, part 2 là. Allez. Salut Tony Mr. P. Elles sont superbes les Donkey Kong. Allez, passons à la suite. Alors, C'est ça un peu random. va être un peu random tout ça, mais que des belles choses.
Du TMNT, ouais. Donc ça, c'est pas pour ça que... Ok, d'accord. Et du Final Fantasy. Ah, ça c'est cool ça. Mais oui, c'est celle-là que je voulais. Oh putain, ouais. Ah, c'est presque la mienne, mais pas... Eh, mais elles sont plus... Bah, j'ai jamais elles vu sont plus grandes, non? T'as vu l'effet? Non, j'avais jamais vu cet effet-là, parce que pour moi c'était des prismes normales, et tu le vois bien là l'effet sur la... Tu vois très bien l'effet, là. Voilà. Une grille de mi-feu. C'était celle-là que je voulais, et j'avais même pas compris que c'allait être un effet... Mais montre le dos, celle-là, la première. Ouais, c'est exactement la même que j'ai, mais pas le même effet. On dirait les Morinaga, les petites là, Morinaga, t'as vu? Tu vois, enfin, elles sont toutes lisses, ça fait vraiment miroir, quoi, je sais pas, ça fait... Elles sont trop cool, quoi. Et du coup... Ah putain, il y a une gueule chelou, Shredder. Oui, mais ça, c'est d'origine, enfin, je veux dire, sur la... Ah oui, non, bien sûr, mais... Sur la PP normale, c'est pareil. Ah putain, c'est vachement cool. Bah, vas-y, TMNT, c'est forcément cool. Bah surtout ces visuels, ils sont... FF, un petit lot FF, bah parce que j'ai pas tout. Donc là, il me manquait une ou deux prismes qui se trouvent là-dedans. Celle-là, c'est sûr qu'il me l'a manqué. C'est bien, tu vas pouvoir m'en vendre des foules... des foules non, 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 il est cher, lui, sur eBay. C'est vrai, ah merde. T'as un Zilba, wow. Ah mince. Non, j'en vends aucune... Oh, ce blanc. J'en vends aucune Final Fantasy sur eBay. Sur Facebook, t'as dit. Sur Facebook encore, moi. Ah, alors ça. C'est quoi ça? Alors ça. Le meilleur. Presque. Ah non, attends, putain, il reste masse de trucs. Ah oh, putain. Non, c'est des gros trucs. Ah, c'est vachement. On va en faire 45 minutes encore la vidéo comme la dernière fois. Bob, il y a plus que 5%. Hein. Non, c'est bon, c'est des. Regarde ça. Des bonbons. Non. Un jeu Game Boy. Un jeu Game Boy. C'est ton deuxième. Un jeu Game Boy. Et bah, oui. T'en avais eu un chez Mike Ouais. Oui, par contre, je trouve que c'est pas très bien de demander à Mathilde de jouer au jeu alors qu'elle aime pas. Parce qu'en fait, il y a Tamagotchi 2 sur Game Boy au Japon. Moi, j'ai le 1 en version FR et que j'avais racheté d'une autre version. Là. Et donc, je ne savais pas, mais Tamagotchi 2 sur Game Boy. Voilà. C'était pour le petit trip. Pareil, ça vaut une poignée d'yens. 3% et demi sur le téléphone de Bob. Une poignée d'yens parce que personne n'en veut. Tiens, regarde ça. Ça, c'est vachement cool. Ah, vois, oui. Alors, par contre, j'imaginais ça beaucoup plus grand. Je sais, il y en a des Dragon Ball aussi. Bah, moi j'en ai un Gundam qui est bien plus grand. Ah, oui, je pense bah c'est le même que Dragon Ball. Regarde le CD par contre, celui-là. Ouais, bah regarde, en fait j'en ai deux. 2 fois 500 yens, bon ça va quoi. Non, en fait, pour vous expliquer, ça fait des mois, voire des années que j'en vois un sur Yahoo qui en euros fait genre 120 euros. Donc je me dis, le gars il a complètement fumé, donc je l'ai jamais pris. Et là, tout d'un coup, c'est popé. Il y en a eu deux qui étaient à je sais pas combien de yens et équivalent 20 euros. Donc je me suis dit, bon, allez, vas-y, je prends. Tu prends 120 euros ou 20 euros? Alors, 20 euros. J'en garde un scellé, puis l'autre, je vais l'ouvrir. Ouais, vas-y, vas-y. Et du coup, voilà, des petites barres qu'il y a au dos. Alors, je crois que contrairement au Dragon Ball, tu sais, il y a pas Dragon Ball, il y a un plateau avec des pions et tout. Et là, je pense qu'il y a juste les cartes. Enfin, cela dit, non, il y a l'air d'avoir un plateau. Donc, il faudra creuser un peu le contenu. Et peut-être que t'as les cartes qui sont pas encore découpées. Oui, normalement, ouais, bah, je pense que moi, dans mon Gundam, elles sont pas découpées. Bon, là, on va passer vite, c'est la suite des Final Fantasy. Ok. Comme ça, c'est voilà, la suite parfait. Du coup. Là, il y a les prismes. C'est plusieurs lots du coup que tu as mis en un lot. Non, ça c'était ensemble. En fait, je pense que c'est l'équivalent d'une white box, 100 yens, mais qui a été ouverte. L'annonce ne mentionnait pas qu'il y avait la box, hein, donc je ne l'attendais pas. Mais ça, c'est des mangas. Ah non, c'est encore du Vanguard. Et non. Okutonoken. Une série Okutonoken Pachinko, je crois. C'est beaucoup de captures d'écran du jeu Pachinko. Pachinko. C'est ça, non? Non, Pachinko. Pachinko, c'est dur à dire. Et donc, c'est une boîte full avec tous les boosters pleins. J'en ai déjà quelques-uns. Il faut les laisser fermer, ça. Non, je veux les cartes. Donc, je vais ouvrir. Mais elles sont si jolies que ça. Bah, pff, non. Regarde sur le dos de la boîte, peut-être, t'as des illustrations. Ouais, regarde, celle-là, c'est ce genre de cartes. Et aussi des captures d'écran du jeu, du coup. Ah, la carte bonus, il te la faut absolument. Bah, il y en a plusieurs. Attends, tiens, montre la composition, s'il te plaît, derrière. Moi je vais ici. 70, 75, 77 et t'as des cartes. Ah, 70 normal. Ouais. 5 rares. Et puis t'as la alpha. 2 super rares. Et 2 super rares et 2 oméga. Non, et juste une non, alpha. En fait, ah non, tu sais pas combien en fait. Tu sais pas combien d'oméga. Bah si, c'est une alpha, donc on tout seul. C'est pas logique. Voilà, donc ça. Ça fait penser un petit peu aux répartitions que t'avais dans les MBC. Les Miracle Battle Cards, c'est à peu près le même système. Ouais, c'est le même. Ouais. Et donc, pareil, cette box-là, j'en ai vu une depuis longtemps sur Yahoo à 120 euros. Et tout d'un coup, il y en a une qui a popé à, je sais même pas, moins de 30 euros, full, avec tous les boosters dedans. Je me suis dit. Parfait. Zubida, quoi. Zubida. C'est la fête. Ah, voilà, et je suis content de ce truc-là, c'est stylé. Par contre, je vais imaginer vraiment que c'est plus gros. Mm. Mais bon, c'est du Rockman. Hein, vous savez, et montre le dos un peu les cartes, du coup.
Vous savez que moi et Rockman, c'est une belle histoire d'amour. Donc. Ouais, ça va être cool ça. Par contre, les premières Barcode Wars sont vraiment hyper chères, donc celle-là va être très dure. Ouais. Bon, au moins celle-ci. Jour, il suffit que ça pop. Je perds pas espoir en tout cas. Il y a des cachette. Non, non, justement, Rockman, c'est plutôt wanted sur Yahoo. Ouais. Enfin, certaines choses. Je croyais que c'était ton Gundam. Bon, alors, petit récap. Bon. Petit récap. Petit récap, alors Bob. Des wafers, des affiches. Non, ça c'est pas Bob ça. Les Dieu l'en garde. Postales. Un couteau, non, c'est pas vrai. Un couteau Noken. Un couteau Noken. Ça, c'est marrant ça. C'est un truc Highfield 21. Exactement. Exactement. Et voilà, voilà et pour moi, petit colis. Et des boîtes Vanguard. Ville Est et les Thor. Ça a l'air pas mal comme série. Hein. Génial. Bah donc un peu de Jumbo, un jeu Game Boy, du Barcode Barcode Wars Battle Game Set, du Hokuto no Ken, du TMNT, du Final Fantasy. Que demander de mieux? Si, moi, ça manque de Dragon Ball, je sais que ça. Si, mais... Bah, mais là. Non, mais dans... Heureusement que je suis là. Voilà. Voilà. Ça manque de quoi? Ça manque de Sailor Moon, de Rose. De Sailor Moon, de... Quoique, t'as Tamagotchi, c'est un peu rose quand même. C'est vrai. Bon, allez, merci. Ciao. Bah, allez, merci d'avoir été là et à plus. Ciao à tout le monde.